Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله. والصلاة, والصلاة والسلام, والسلام, والسلام على, على رسول الله. رسول الله. اللهم افتح لي, اللهم افتح لي. أبواب رحمتك. Les enfants, maintenant que vous connaissez l'importance du mois de ramadan et que durant le mois de ramadan, les nuits elles sont très importantes et que durant les nuits du mois de ramadan, il y a la ilatul qadr, alors il va être important pour vous de rechercher cette nuit. Comment on la recherche En faisant des bonnes actions. Et je vais vous donner une astuce. Une action, une bonne chose que vous pouvez faire toutes les nuits. À partir de cette nuit, vous faites cela toutes les nuits. Et comme ça, vous êtes sûr, inshallah de tomber, de trouver Laylatul Qadr et vous aurez beaucoup de hasanat. Alors, toutes les nuits, tu fais des du'as. Comment on fait des deux A Alors on lève nos mains, comme ceci. Tu lèves tes mains. Et tu demandes tout ce que tu veux à Allah. wa ta ala. Si tu sais les dire en arabe, comme il le faisait le prophète c'est très bien. Mais si tu ne sais pas, tu demandes tout ce que tu as besoin à Allah. Et là, je vais vous enseigner une invocation très importante qu'il faut dire durant cette nuit. Vous êtes prêts اللهم. اللهم. إنك. إنك. عفو. عفو. تحب. تحب العفو. العفو. فاعفو. فاعفو عنا. اللهم. اللهم. إنك. إنك. عفو. Tu Anna, Anna. Qu'est-ce que ça veut dire Allahumma Allahumma, ça veut dire tu dis oh Allah Tu prends conscience qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala c'est lui ton Seigneur C'est lui ton Dieu C'est lui le seul qui mérite d'être adoré pour qui je fais la prière Pour Allah Pour qui je jeûne le mois de Ramadan Pour Allah Subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dis Allahumma, tu prends conscience qu'il n'y a personne qui mérite d'être adoré en vérité, sauf Allah. Qui nous devons adorer Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka ka afououn. Donc tu dis Allahumma. Ô oh Allah, tu es le pardonneur, le grand pardonneur. Parce que vous savez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, à lui, il a les plus beaux noms et les plus beaux des attributs. Et il est important d'apprendre les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. al-afwa. Allah azawajal, il aime. Le pardon. alors pardonne-nous. Et si Allah il te pardonne, ça veut dire qu'il efface tous les bêtises que tu as faites, toutes les erreurs que tu as faites, tous les péchés que tu as faits. Allah subhanahu wa taala, il va les effacer. Et si Allah Azzawajal, te pardonne, tu gagneras le, paradis. le paradis. Et surtout, il est important de dire cette invocation durant le mois de Ramadan et plus précisément durant Laylatul Qadri, durant les dix dernières nuits du mois de Ramadan, parce que à ce moment-là, les anges descendent sur terre et tout ce qu'Allah wa taala, a prédit, a décrété, a choisi pour l'année pour qui va venir. Cela va se passer. Alors il est important que, comme les anges ils descendent avec cela, avec l'aqdar, c'est pour cela qu'on dit Laylatul Qadr, il est important que tu dises cette invocation. Comme ça, Allah wa ta te pardonnera tes péchés et tu pourras entrer au paradis. On répète une dernière fois Allahumma, Allahumma. inna ka عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فعفو عنا, فعفو عنا.